Et voilà, donc on se retrouve donc pour ici pour la suite de Life is Strange. Je pense que j'aurais pas fait de coupure pour le coup. Et donc on va regarder ce mur comme je vous l'ai dit. Et donc là je lance le chrono, j'oublie pas. Ça va, au niveau du disque dur externe, il y a du temps. J'ai de quoi faire. Au niveau du disque dur externe, ça va. A savoir qu'en fait j'ai repris un petit peu plus loin, juste quand j'entre dans le dortoir des filles, là tout au bout dans le couloir. Donc j'ai bien fait attention évidemment d'arroser la plante. Hein, parce qu'apparemment ça aura des conséquences interspatiales sur le monde entier. Et même sur l'univers. Sur le monde de l'univers tout entier. Oui, là, c'est le petit moment contemplation. Pour ceux qui se demandaient, il est là, Funky? Oui, je suis là. Et on va même se lever. Voilà. Allez, Maxou, on se lève. Fagnon. Qu'est-ce que c'est le Fagnon de qui, de quoi? I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. 200. Eh bon. Ça fait plaisir. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Apparemment elle est fille unique. D'ailleurs, je viens de penser, ouais, elle est fille unique, elle a pas de frère ou sœur. Non, sinon on le saurait. Would Man Ray call them selfie portraits? It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. D'un côté, on s'en fiche. I need to grab a flash drive on my desk before I see Warren. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a la note ici qui dit que je l'avais pas lu. Looks like Dana left me a little great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Donc voilà, on se retrouve donc ici sur Life is Strange. Donc désolé, hein, il y a eu un gros, comment dire, un gros bug au niveau de mon ordi. Hein, il a bien bugué comme il faut. Donc de toute façon, vous aurez la partie où elle avait sa guitare et tout ça. Normalement, si il y a pas de souci, je mets le timer, je remets le timer. Et donc là, on va lui parler. Donc si je me rappelle bien, je crois que c'est Watson, son nom, Rachel Watson. Je crois que si je me rappelle bien. Donc discuter. Hey Juliet. Is everything cool? Donc j'ai trouvé du premier Max. Coup normalement. I've locked Dana in the room because we're cool. Ah, je peux pas passer parce que genre c'est la première fois. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Voilà. Juliette Watson, si je me suis pas trompé. Juliette Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Ah, voilà. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. I should find a way to end this silly standoff. Leave me alone, Max. Get a clue. Ok, donc je dois aller dans la chambre de Victoria, c'est ça? C'est quoi je dois faire ce boulot-là, franchement? Oula, papier toilette. Ouais, bien sûr, des chances, c'est bien. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Pour ça, il faut que j'aille... Voilà, chambre de Victoria. Ok, bon, c'est parti. Entrez. Ouais, là, on n'est pas dans le même standing, hein, ça c'est sûr. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Merci de l'interview que vous avez porté à la galerie Croft. Nous sommes désolés de vous informer que votre travail ne correspond pas à ce que nous recherchons en ce moment. L'impression là. Ah, une lettre de refus, c'est pas beau ça. Regardez. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria. Is she going to get a three-bedroom renter for her dorm room? Maybe I will join her posse.
Et un truc à 3 600 $. Non mais laisse tomber la neige. Putain. Je pense que oui, les appareils photo bien, ça coûte super cher. Yes, I get it. Enter the vortex. Quand même. No. Après tout. Hein. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Elle a du coup quand même. Enfin pour elle. Yes, Victoria has the best Retina screen laptop. Arrête de t'extasier sur son argent, on sait qu'elle a de l'argent. I'll give Victoria props for not posting my photo and for this nice shot. D'accord, c'est le Facebook quoi. Ah, zut. C'est le Facebook. I'll give Victoria props for not posting my photo and for this nice shot. Boom, this is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Je viens de pourrir Juliette et Dana. J'ai simplement eu à dire à Juliette que j'avais vu un sexto. Blablabla, cette bouffonne m'a cru. Attention, drama en vue. Juliette mérite bien de l'avoir. Pour avoir biqué Zach et Dana, on s'en tape de Dana. Sans le popcorn. Cool, merci. Sympa. Les gens sympas, comme ça, c'est bien. Non, il faut que j'imprime. Boom. This is mais comment je l'imprime? Normalement, j'appuie imprimer et puis voilà. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Oui, d'accord, mais d'accord. Mais où l'imprimante? Elle est là. Attendez, regardez, c'est quoi ça? Ok. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Non, mais c'est sérieux. Un petit peu de respect quand même. C'est vrai qu'elle est bien plus belle que toi. Victoria is a real Jefferson groupie. C'est pas... Elle est où l'imprimante? Ah, elle est là. Gazette. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Voilà, pour ceux qui veulent lire, lisez. Moi, ça m'intéresse pas. Poupidoupiou, la télé, oui, d'accord. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Those boots are made for walking runways. Dior, Givenchy, you could pay for my tuition with that wardrobe. C'est trop ça. Bon, elle a dit de l'imprimer, c'est ça? Je suis pas encore sénile. N'est-ce pas? Rassurez-moi les gens, je suis pas encore sénile. Ah, je suis bête. Voilà, c'est marqué ici imprimé. Oui, imprimé l'email, pardon. Oui, en fait, je suis sénile. Fais-toi l'idée, Funky, tu es sénile. Prendre. This better convince Juliet that Dana is innocent. Est-ce qu'on peut le voir sur le... non. Puis d'un côté, on s'en fout. Ah ouais, pour les photos, par contre, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, il y a quand même d'autres photos à prendre. D'autres choses à faire. D'accord. Ok. Je vais essayer d'accomplir les trucs, ce serait cool. Réorganiser. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. Ah, pas mal, j'aime bien. Ah, bravo, Moray. Ah, j'aime bien. Ah, pas mal. Allez, hop. Ça mérite d'être immortalisé. Bravo, Maxou. Ça, c'était pas mal. Ah, j'approuve. I'm Funky Black. I approve that message. Totalement. Ah, j'approuve. J'ai envie de dire, là, il y a de l'art. Là, il y a de l'art. De l'art, un message en même temps, ça fait plaisir. Non, c'est bien. Non, Maxou, je l'aime bien. J'aime bien la petite Maxou. Bon, toi, regarde Juliet, l'email. Read this. Et sans toi, conne. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ok, bon, c'est parti. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Ce décolleté de ouf. Non, non, c'est bon. Oh, regarde pas. Oh, dis donc. Hey, oh, hein. On n'est pas comme ça, voyons. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Pardon. Allez, discutez. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria est mesquine, faut le dire. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though, Warren obviously likes hanging with you. What do you mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Ok, il est où? Autocollant. It would be a cool sticker without the words. This is both sad and pathetic. C'est quoi? Tana, les lettres, c'est pas mon truc, mais je voulais t'écrire pour que tu ne me détestes pas pour toujours. Je sais que je me la pète devant les autres, mais avec toi, j'ai jamais fait semblant, je le mérite pas, j'ai vu comment je suis gonflé. J'espère que tu pourras devenir ami. Si tu as besoin d'argent, dis-moi. Logan, il est sérieux, regarde-moi cette écriture de merde. Je sais que j'ai une écriture naze, mais là, oh là, quand t'écris une fille, quand même, oh, un petit peu quand même d'effort. Tu fais un petit effort. Mais non, c'est pas possible. Tu peux pas. Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Oh, really? Rien à foutre. Of course, a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Je m'en fous, je lis. Merci pour son inflet. Rien à faire. Poupidoupidou, on récupère la clé. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Qu'est-ce que c'était que cette... Qu'est-ce que c'était que cette imitation en carton-pâte? L'imitation du roumain, quoi, laisse tomber. Je m'excuse à toute la communauté roumaine de France. Franchement, pour le coup, je m'excuse. Est-ce qu'on peut encore discuter avec elle? Non, bon. Je crois qu'on a accompli la mission. Non, c'est ça. Donc, il faut que j'aille rejoindre Warren au parking. Bon, bah, direction parking. Direction le parking. Direction le parking. Poupilou-pilou. Direction le parking. Mais je vais aller voir Warren. Ça me dérange. Attends. Ah, dites-moi, écrivez pas aussi vite! Ça me dérange pas d'attendre là pour toujours. J'adore ce parking. Il se passe trop de trucs. Le SMS prend trop de temps. J'arrive. Les SMS prend trop de temps. J'arrive. Bon bah c'est parti. Direction le parking. Et le parking il est par où? Bon je suppose quand même qu'on doit aller. Oula. Hop. Oh putain. T'es sérieux toi? Ouais. Power. Everybody's so grateful. Avertir. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Whoop-la! Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Idiot de classe internationale. Huh. Max, that was awesome. Thank you. T'inquiète pas, souci. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. Bullies never change. That's why you're better off. You're smart. We should hang out more. Par contre, sa tête, elle est un peu crispée, j'ai l'impression. Un peu inexpressif. Now Alyssa can savor her bad novel in peace. Et toi, là, est-ce que t'as quelque chose à dire, idiot? Zachary. I could almost feel sorry for him if he wasn't such a serious dick. Poor Juliet. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Oui, c'est un enfoiré, effectivement. Donc, fonçons. Message Victoria, quoi. En fait, merci. Mais on n'est pas amis. Ok. Ok. Tellement j'en ai rien à battre. Athlétique, man building. Ah, attends, elle a dit quoi? J'ai pas compris, j'ai pas entendu, j'ai pas fait gaffe. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Faut pas que je revienne en arrière, c'est totalement idiot. Aller au campus principal. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Intervenir, mais ça va pas, non? Hey,
Why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Idiot avec ta tête de Freddie Mercury là. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Ça a encore t'apporté des problèmes, mais là, voilà. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business. Non, non. Qu'est-ce qu'il a, lui? Hors de question, s'occuper de ses oignons, il agresse comme ça, de façon normale. Normalité. Mais ça va pas, non. Il a cru que c'était... Oui, je m'énerve. Je m'énerve. Ouais, parking, c'est par là. D'accord. Est-ce que je devrais y aller moi-même ou non? Non, elle y va elle-même. Elle y va comme une grande, la petite Maxou. Bon, continuons, continuons. Il y a plein de sauvegardes dans tous les sens. Et bon, j'ai envie de finir l'épisode 1 d'une traite. Si je peux, si c'est possible. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Ouais, moi aussi. I don't get it. How could Zack and Victoria do that to me? Oula. Juliet still looks upset about Zack and Victoria. I don't blame her. Forcément. Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. L-O-L. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Regardez, c'est quoi ça? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Ah là 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 là, la vie étudiante. Max, get your ass over here. J'arrive, j'arrive. C'est sa voiture? Il a une Gova. D'accord. And there's Warren. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Effectivement, il a le béguin, ça se voit tout de suite. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. Voilà. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Je vais lui faire un petit peu mal. No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, drama queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust. C'est quoi ça? Attends, est-ce que je l'ai... Mais on sait pas aussi si on l'a vraiment vu ou on l'a pas vu. À moins que j'ai totalement laissé échapper quelque chose, hein, ce qui est tout à fait probable. Je vais dire vu, on va voir ce que ça dit. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Faster, pussycat, kick. What the hell? Attends, on va essayer. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Ah d'accord, c'est un nom de film. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Besoin de me confier, pas envie d'en parler. Euh...
Je sais que vous faites déjà vos avis dans les commentaires, mais c'est mon aventure, faites pas chier. Je commence à vous. Je cherche le mot, encore une fois, je cherche mes mots, enfin, qui cherche ses mots. Je vous. Bon, vous avez compris. Bon, allez, on va faire sa petite renfermée solitaire, blablabla. I don't want to speak about it. This is kind of a crazy day. On garde ça pour nous pour l'instant. I mean, I literally think I'm going crazy. C'est le début du jeu, on y va tranquillement. I may be a pest, but I'm a good listener. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw, now. Answer me, what are you bitch. Talking about? Oula, doucement, mec. I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Voilà, allez voir. Oh putain, le coup de boule! Oh, boom! Nobody bitch, get out the way! Nique-le, voilà, bim! Max? Chloe? No way. You again. Warren! Oh, bro, I got this! Allez, mais. Ouh là là! Ouf! Get in, Max! Tu vas pas laisser là quand même! Get your punk asses out of there now! Ouh là! Don't even try to run! Nobody! Parce que putain, il a des problèmes! Nobody! Il a des grands problèmes! There's no way I can walk to the town from. Ce mec a de grands problèmes, hein! Oh. Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. Ce coup de tête là, boom, bitch, c'était oh, ouf. Thanks, Chloe. Ouf. After 5 years, you're still Max Caulfield. Ma pauvre Don't Maxou, give me the guilty quoi, face. Tomber, at least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? I have no idea. I know he's a Prescott. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I ouais. owe him big time. Ça lui a coûté un you're nez, not mais... the only one in debt. C'est bien passé. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Ah, j'ai pas suivi la conversation. Je ne sais pas. Juste... I guess. It was cool, but I felt kind of lonely. Out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliché geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Ouais, elle t'en veut encore beaucoup, hein. Et bon, ça peut se comprendre quand même. Elle me fait penser à l'actrice là qui est passée dans un des films français là, avec les cheveux bleus aussi, qui parle de deux filles qui s'amourachent là. Je sais plus comment s'appelle ce film. D'un côté, je m'en fous parce que voilà. Mais voilà. Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes.
except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Ah, everybody lied, no exception. Ça me fait penser à Dr. House. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Ah ouais, là, c'est... Laisse tomber, c'est... Là, j'ai l'impression que dans ce jeu, quand même, on passe sur beaucoup, je dis bien beaucoup, mais vraiment beaucoup de stéréotypes américains. Vraiment, beaucoup de stéréotypes de films teenager américains. Je pense que vous serez tous de mon avis. Mais on passe vraiment sur beaucoup de choses là. Il y a le, il y a la diva, il y a la, celle qui est un petit peu coincée, il y a la geek avec son drone, évidemment il y a la cour avec la diva, il y a le quarterback totalement idiot sa race, et il y a la punk là complètement, il y a la punk rebelle, solitaire un petit peu on peut dire aussi et un peu trop haut pour les autres. Voilà, c'est genre comme ça quoi. On est vraiment dans le truc américain quoi. Regardez-moi ça en plus, quoi. Sa chambre ne ressemble à rien, c'est une chambre de toxico ça. J'appelle ça une chambre de toxico. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter ici hein, parce que là je commence à fatiguer. Je pense là qu'on a une grosse sauvegarde. Donc je pense que ça ira. Donc je pense que je vais pouvoir maintenant vous dire officiellement au revoir à tous. Vous dire officiellement vive le funky. Et vous dire officiellement qu'on va se retrouver donc pour le prochain. Pour la prochaine partie. Pas prochain épisode, la prochaine partie. Cette première épisode de. Parce que je sais pas d'ailleurs si je vais le continuer, mais là je vais faire la coupure vidéo ici. Je sais pas si je vais continuer après. De Life is Strange. Et là on peut dire que Life is very. Very strange. Là, forcément, pour la pauvre petite Maxou, il lui arrive beaucoup de choses à cette petite queue. J'apprécie de plus en plus. Hein. Là, je l'aime. Franchement, je l'aime bien. J'apprécie de plus en plus. Alors, j'ai envie de vous dire ciao à tous. Elle vous dit au revoir avec sa tête un petit peu bizarre. Allez, ciao à tous. On se retrouve pour la prochaine partie de l'épisode de Life of Strange. Merci de parler Teletubbies juste pendant mon outro. Ça fait plaisir.